L'autorité parentale, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de droits et obligations qui pèsent sur les parents vis-à-vis de leur enfant mineur. Alors je vous le dis tout de suite, autorité parentale, c'est surtout des obligations plus que des droits. C'est relatif bien évidemment à la santé des enfants, à leur éducation et à leur entretien au quotidien. Lorsqu'un couple divorce ou se sépare, eh bien les deux parents exercent en commun l'autorité parentale. Dans la pratique, lorsque vous êtes seul avec votre enfant, vous pouvez prendre toutes les décisions. Mais sachez qu'en ce qui concerne les décisions importantes, qu'elles soient scolaires ou médicales, par exemple une intervention chirurgicale, dans ce cas-là, il faut impérativement demander l'autorisation de l'autre parent. Parfois, il y a un des parents qui est défaillant. Sachez qu'il est possible d'aller devant le juge pour demander à exercer seul l'autorité parentale. Ce n'est pas une procédure facile, il faut le savoir, parce qu'on privilégie toujours l'autorité des deux parents, mais c'est possible. Ça se voit notamment lorsqu'un des parents a disparu, et dans ce cas-là, on demande l'autorité parentale exclusive.